La Grolle et l'Ornard. Cette histoire, je la tiens de mon père, bien sûr, mais lui, il la tenait d'une vieille grand-mère qui la tenait elle d'un vieux bonhomme qui la tenait elle de son arrière-grand-père, lui de son arrière-grand-père, qui la tenait lui d'un nommé Jean Dudouet. Alors, bien sûr, je suis obligé de tourner en français parce qu'on ne connaît pas un Jean Dudouet, mais Jean de La Fontaine, on connaît. Et il y avait donc un Grolle et puis Arna. La Grolle, un Grolle comme toutes les autres, naille, avec des pions, chemin. Mais l'Ornard, au même point, il n'était pas comme les autres. Il était vieux, il chiochait à Mathieu. Il avait dû se faire prendre la patte dans la pioche par là. Mais de la malice, il n'avait encore bien plus que les autres. Et fallait-il pas bien, vu son infirmité, pour baiser les poules. Un bon matin, oh, ça te bon matin, il n'y avait encore personne de leveux, on ne voyait pas de fumée par-dessus les maisons. V'là l'Ornard parti trouver de cas mangeux. Et puis il marche le long les rats, la tête baissée quasiment en hauteur des épaules pour ne pas se montrer. Il sentait à droite, il sentait à gauche, mais il regardait à haut des failles aussi. Et puis, ça faisait déjà un bon moment qu'il marchait comme ça, il ne trouvait rien. Oh, ça faisait plein son affaire. Tout d'un bon coup, il arrive, le v'là arrivé au pied d'un chêne. Et un chêne, le chêne. Et que qui vaille, hoche, bahout, si un branche, un Grolle. Ah, mais la Grolle, là, heureusement qu'elle te haute, parce que, alors, elle était à 2-3 mètres là. L'Ornard, il l'aurait happé, il l'aurait dégueilleux, puis il s'en serait bien content de même. Des Grolles, il n'avait souvent vu. Il n'avait souvent entendu huche sur lui quand il emportait quelque chose, ou un poule par exemple, parce que les Grolles, quand ça va, il y en a repassé avec quelque chose dans la goule, et bien ça gueule dessus, ça huche. Mais oui, c'est que cette latte, elle ne disait rien. Pour Caille, je vais vous le dire, mais, et bien, mais c'est qu'elle tenait un petit poulet dans son bec. Ah oui, ce n'était pas un fromage. Hein. Il n'y avait pas de fromage chez nous dans le temps. Et ça tient, c'est ça qui va gueuler l'Ornard, puis ça tient un bon petit poulet, il était quasiment aussi gros comme miel. Et puis, il n'était pas foutu, il gigote court. Elle avait dû le baiser à un moment où elle s'était trouvé l'agneau de la mère poule, parce que sans cela, la mère poule, ça ne serait sûrement pas laissé faire. Voyant cela, l'Ornard, il se dit, comment je ferais-il donc bien pour y baiser son poulet à Yel, là? Puis le v'là, à faire ringer les bouillables de sa tête. Il se dit, mais je la ferai qu'à aux yeux, cette bobine, elle lâcherait. Et puis, il s'aperche tout doucement, pour pas les moyeux. « Bonjour !» Et il reprend. « Ah, c'est-il un mauvais temps, un matin ? Puis tu vas bien par ce temps de pied, là, je ne sens rien, ça me tient bien à trouver quasiment des camins en jeu. »« Bam ! Qu'est-ce que tu veux chez vieux, maille ? Ben, c'est la vie. » Toujours rien. Puis il fait mine de snaleux, toujours en chiochant. T'as beaucoup, il s'arrête, il se retourne, il dit comme ça, « Oh, mais dis donc, taille, je songe en te vaillant, là. Mais c'est que t'es belle. Ah oui, dame. Mais avec mon vieux paille, là, je n'ai guère d'allure. Je ressens ma reine, dame. Je songe que tu suis, si tu chantes aussi bien comme t'es belle, eh ben, ça serait curieux autant. Fais, je voudrais bien vaille ça. Oh, madame de la secousse, la Grolle, elle ne se sentit plus. Et puis, tu es gourmeux, puis elle fait, « Caah, caah, caah. » Madame, ce qui se passe ici, vous le devinez bien. Le petit poulet, là, il cheut dans la pièce de rein. Hein? Madame l'Ornard, il le happy, et puis il n'en fait qu'un goulouille. Ah, il gigotit pas longtemps. Hein? Et puis, il y a une faille qui le rouche tant c'est bon à ceux. Et il dit comme ça à la Grolle, il dit ça après, beau ben. Va bien te le dire à cette heure. T'es aussi laid comme t'es beau bien. Puis apprends-le, parce que je vais bien que tu ne le sais pas. Il dit, les patelins, c'est les siens qui vous font des alouseries par devant puis qui vous baissent par derrière. Et les patelins, autant de patelins, autant de vorins. Et sur le coup, il foutit le camp et il a laissé à gueule par là. Et à cette heure-ci, je crois qu'à gueule corps. Là tout.